Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, pour les 3 millions de touristes qui avaient l'habitude de venir passer leurs vacances dans les Outre-mer français, nos territoires ont des allures de paradis, mais la violence de cette crise a été l'enfer pour nos professionnels du tourisme et pour nos économies insulaires. Les urgences sont là et l'Europe doit impérativement soutenir la relance du tourisme dans les Outre-mer. Pourquoi? Parce qu'il faut encourager les investissements, il faut accompagner les compagnies aériennes régionales et il faut augmenter l'attractivité des métiers du tourisme, notamment pour les jeunes. Je vous entends, vous voulez lancer un tourisme moderne, durable, responsable. Je vous dis, misez sur nous, parce que nous avons des trésors de biodiversité, mais parce que notre plus grande richesse, ce sont les hommes et les femmes de nos territoires, parce que c'est aussi ça, le tourisme, des rencontres inoubliables et aussi la possibilité de se construire dans l'ouverture aux autres et dans le respect de chacun. Je vous remercie.